Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le deuxième projet réalisé avec le kit que j'ai mis en place pour vous de Keepers Créatifs. Voilà, ça m'a beaucoup été demandé. Du coup, certes, j'ai mis un peu de temps, mais je l'ai fait. Voilà, donc nous avons déjà fait un projet avec le kit. Et parce qu'en fait, j'ai voulu faire plusieurs projets avec un kit. Je trouve que c'est bête de faire qu'un projet, voilà. Surtout qu'avec le kit que j'ai pensé, on peut faire au moins deux projets. Du coup, je me suis dit, on va faire. Donc, on a réalisé la boîte, hein, le bois crayon à stylo, avec quelques petits rangements du coup dessous. Et on va partir sur un mini album. Voilà. Après, c'est vraiment. On n'est pas obligé de faire ce que je fais, quoi. Vous pouvez faire à votre sauce. Moi, c'est parce qu'on me l'a demandé. Donc, dans le kit, il y a du craft. Donc, c'est celui-là. Voilà. Il y a 25 feuilles et c'est 175 grammes. C'est du craft. Voilà. Pourquoi j'ai choisi du 175 grammes? Parce que le papier craft. Je trouve que 200 grammes, 210 grammes, c'est trop épais. On n'arrive pas bien à le travailler. Du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour le 170 grammes, ce qui est largement suffisant pour faire un petit album ou quoi. Et c'est beaucoup plus facile à travailler, ben, surtout pour les débutantes, parce que même moi, je m'embête des fois avec le craft. Des fois, 210 grammes, c'est trop gros, c'est trop. Voilà. Du coup, c'est pour ça. Ensuite, nous avons ce kit-là. Donc, les papiers là. Voilà. Nous avons les tampons comme ceci. Ah oui, c'est un peu obligé. J'ai pas pu résister. Donc, nous allons voir ce que nous allons faire avec tout ça. Alors, on va partir sur un mini-album. Je vais essayer de faire une reliure plus simple que ce que je fais d'habitude. Sachant que comme les pages ne seront pas très épaisses comme je peux faire dans les gros albums, ce sera largement suffisant. La reliure, on va faire une reliure en U. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Puisqu'on m'a dit que des fois, la reliure accordéon, les filles, il y en a, elles n'arrivent pas à la faire ou elles ne comprennent pas, elles ont peur et voilà. Du coup, j'ai décidé de faire une reliure un peu plus facile pour tout le monde. Voilà. Donc, on va partir sur des pochettes, bien entendu. Mais ça, vous n'êtes pas obligés. Moi, c'est parce que j'adore faire des pochettes. Chacun après. Voilà, puisque avec le papier que vous avez dedans, vous faites les pochettes, les tags largement. Voilà. Et normalement, il devrait même vous en rester un petit peu. Donc, je vais partir sur du 16 cm, sur 16 cm pour les pages. Du coup, je vais venir couper ma feuille de craft donc dans la longueur à 17,5. Puisque je vais rajouter 1,5 de rabat sur le côté. 17,5, on ne jette pas les chutes sur le 17,5 aussi. Donc ça, je garde. On va en faire une ensemble et après. Comme ça. J'ai mes outils par là. Je vais faire celui-là. Donc 17,5 sur 17,5. Je vais venir faire un pli à 1,5 de ce côté et un pli à 1,5 de ce côté. Donc là, nous avons 1,5, 1,5. Ensuite, je vais venir marquer mon pli. Pareil pour les dimensions, après, c'est vous qui voyez.
Là, moi, je pars sur le kit. Sachez par contre que si vous faites plus grand en quoi, peut-être que vous n'aurez pas assez de papier. Parce que moi, je vais faire par rapport au papier que j'ai. Donc, si vous changez les dimensions, peut-être que vous aurez un peu moins de papier. Vous aurez un manque de papier, quoi. Voilà. Si je me sers de tout. Donc, voilà. Ensuite, je vais couper un autre papier de 16 sur 16. Puisqu'on enlève les 1 et 2. Donc 16 sur 16. Hop. On va prendre du double face ou de la colle comme on veut. C'est toujours pareil. Donc ça, hop. Non, moi j'aime beaucoup le double face rouge comme ça. Mais après, vous pouvez très bien le faire à la colle. Ça, par contre, je ne l'ai pas mis dans les kits puisque ça fait augmenter forcément le prix et que je pense que tout le monde l'a. Mais bien entendu, si vous voulez le rajouter au kit, on peut le rajouter. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait un kit de base. Après, bien entendu, on peut rajouter ce que vous voulez. Pareil, il y a les tampons, il n'y en a pas. Ils sont, enfin, il y a trois sortes qui sont ceinture. Bien entendu, si vous voulez rajouter les deux autres tampons, vous pouvez. C'est pas parce que moi, je les ai pas mis dans le kit que voilà. Ils sont dispo. Hein. Moi, c'est parce que je voulais pas vous faire acheter trois tampons pour un kit. Quoi, voilà. Je trouvais ça bête. Mais bon, moi, j'ai pris les trois, en tout cas. Donc, voilà. Et là, on va venir coller l'autre papier pour faire notre pochette. En fait, ça va se présenter comme ceci. Là, on viendra mettre la reliure. Et là, en haut, il y aura les tags. Donc, pas compliqué. 17,5 sur 17,5. On a fait un pli à 1,5. Un peu de double face. D'ailleurs, là, on va rajouter un peu. Parce qu'après, ça ne va pas se coller. Sinon, il vaut mieux qu'il y en ait un peu trop que pas assez. Mais bon, après ça. Donc, voilà. Je vais couper ce qui dépasse. S'il coupe mon cutter. Donc, moi, je travaille toujours avec le côté le plus foncé du craft parce que c'est mon préféré. D'accord. Donc, je viens mettre mon craft de 16-16 à l'intérieur de celui de 17,5 sur 17,5. Et là, je vais venir coller tout simplement. Hop, je vais pas y arriver. Voilà. Donc là, tout simplement, on peut le coller par l'intérieur aussi. Moi, j'aime bien faire comme ça maintenant. C'est comme d'habitude, chacun fait comme il le sent. Hop. Bien entendu, si vous n'avez pas la scorpale, vous le faites à la règle hein, pour les plis. Donc, voilà, la première page, elle est prête. Oui, voilà, c'est tout, tout simplement. Par contre, moi, ce que je fais toujours, c'est qu'après, je viens juste enlever là les 1 mm, pardon, qui a toujours... Et je trouve plus ma règle activée, là. Qui dépasse un peu puisque comme c'est les mêmes dimensions du coup, mais vraiment pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de le faire, moi j'aime bien le faire, mais bon,
Voilà, c'est vraiment très peu. Hein. C'est juste pour que ce soit droit. Mais bon. C'est un petit détail. Je me suis attaquée par le chat. Mimi, sort de là. Donc voilà. Là, hop. Voilà. Bon. Faites-le avec un cutter qui taille, c'est mieux. Donc voilà, première page de prête. Ensuite. Là. Tu veux dire bonjour, Mimi? Yeah. Hop. Oui. Dis bonjour. Oui. Et coucou. Ouais. Allez hop. Elle a mis de jouer. Donc, je vais faire plus. Excusez-moi. Petite parenthèse chat. Je vais faire des pages comme ceci. Je vais faire caméra. Puis on va se retrouver après pour la suite. Donc alors là, j'ai fait mes 4 pages. On verra si on en fait plus ou pas après. Là, je vais m'arrêter à 4. Maintenant, je vais venir ancrer avec la Memento. Alors celle-là, c'est la Riche Cacao. Voilà. Pareil, si vous la voulez, elle sera dans le kit. Voilà. Je ne vais pas la mettre d'office puisque je me dis que peut-être que vous les avez. Mais si jamais vous la voulez, bah, dites-le. On la rajoutera dans le kit. Donc là, je viens ancrer tous mes bords. On n'est pas obligé de le faire. Moi, je préfère. Puisque je vous rappelle qu'on part sur du vintage steampunk. Du coup, pour moi, je trouve que c'est normal de le faire. Sinon, c'est pas pareil. Mais bon, après, c'est chacun vraiment qui fait comme il le sent. Moi, c'est qu'un exemple que je vous donne de ce qu'on peut faire. Donc, voilà. Hop. Là. Je fais les autres hors caméra. On se retrouve. Donc, voilà. Nos pages sont ancrées. Bien entendu, on viendra après ben, arranger, ancrer un peu plus, un peu moins. Enfin, on verra après quand il y aura les papiers. Donc, ne pas oublier que l'ouverture à gauche... Donc, de ce côté-là, ce sera la reliure et que les pages vont se tourner comme ça. Voilà. Donc, on va reprendre les papiers. Bon, ça, c'est ce que j'ai mis de côté. J'ai oublié de vous dire, je pense que j'ai mis 4 pages de côté pour la couverture avant, arrière, ben, extérieur, intérieur. Voilà. C'était une petite précision parce que je pense que je ne vous l'ai pas dit. Du coup, on va venir prendre nos pages. Donc, on va commencer avec la première. Voilà, j'ai mis mes chutes de côté. Voilà, quand on a coupé les pages. Et du coup, là, je vais venir voir si je peux faire des pochettes. Voilà, pour en fait, pour économiser le papier. Je ne vais pas partir sur beaucoup de rabats et tout ça. Là, je vais plutôt essayer de mélanger les papiers. Oh. Excusez-moi, c'est l'aspirateur qui se met en route. Il se passe tout seul. Ouais, c'est une petite nouveauté. Je vous disais que... Je ne sais plus. Oui, pour économiser le papier, du coup, on va venir travailler avec les chutes de craft. Comme ça, on va faire des pochettes. On va pas faire beaucoup de volets et tout comme je pourrais le faire normalement. D'accord. Donc, par exemple, là, on pourrait faire une pochette. Même un rabat. Et même, je suis en train de me demander si on pourrait pas faire même 21, ça ferait du 10 et demi. Une enveloppe, vous savez, un genre de page pareil, mais un plus petit. Ça ferait un peu juste quand même. Voilà, ça fait trop juste. Voilà. Non, ça fait trop juste. Donc, on va prendre les chutes. Alors, bien sûr, on en a 4 puisqu'on a 4 pages. Et là, on va prendre les chutes qui font 12 cm.
sur 21. Et on va venir sur celle-là, on va venir la couper en deux. Donc on va faire 6 et 6. C'est bien ça, fait bien 12. Hein? Ouais. Donc on va couper à 6 et 6 sur 19 cm puisque nous avons 16 cm. Et on va rajouter 1 cm et demi de chaque côté. Donc on coupe à 19 sur la longueur de 21 et après on vient couper à 6, ce qui nous donne deux chutes. On va venir, on va essayer de faire un peu les mêmes pages quand même pour rester dans le dans l'économie de papier. Donc je fais un pli à 1,5, je retourne, je fais un pli à 1 cm pour le coup là, je retourne et je refais un pli à 1,5. On obtient une pochette et je fais pareil pour celle-là, 1,5, 1 et 1,5. Voilà. Vous pouvez faire des rabattes de 1 cm si vous voulez. Après, c'est au choix. C'est chacun qui fait comme il veut. Alors, par contre, sur la deuxième, là, je ne vais pas marquer le pli en bas. On ne va pas le marquer. Puisqu'on va venir, en fait, mais je l'ai déjà fait avec vous, rentrer les pochettes l'une dans l'autre. Tout simplement. Du coup, je viens mettre le double face. Et je ne sais pas si je vais en avoir assez. Il va falloir que j'aille en chercher après. Donc, on met le double face. Hop. On peut bien sûr le faire à la colle. Comme je vous le dis toujours, vous faites comme vous le préférez, vous. C'est... voilà. Et là, je pense que je vais recouper plutôt. Ouais, on va recouper. Donc, vous pouvez le faire à 1 cm au lieu d'un et demi, si vous voulez. Je me suis trompée, en plus. Et oui, je me suis trompée. Donc, voilà, ça, on va la retourner dans ce sens, du coup. Mettez-le à l'extérieur, elle. Le double face. Vous voyez, je parle et je fais que des bêtises. Bon, faut dire que c'est le matin, c'est assez tôt et je suis pas réveillée. Voilà. Donc là, du coup, je vais couper les morceaux qui... Donc faites-le à 1 cm, hein, c'est mieux. Ne vous embêtez pas. Donc voilà. Hop. Bien entendu, on va ancrer avant de coller. Alors moi, j'ancre partout. Bien sûr, si vous voulez aussi que vous avez, vous pouvez faire avec des perforatrices de bordure, des perforatrices rondes, vous pouvez faire des encoches. Vous faites après vraiment comme vous, avec ce que vous avez, vous, chez vous. Moi, le but étant là de faire le plus simple possible, d'accord? Donc, je ne vais pas me servir de perforatrice et tout ça, puisque tout le monde n'a pas les mêmes matériels. C'est pour ça que je ne me sers pas de perfo ou quoi. Donc là, je vais insister un peu plus sur l'encre, puisque... c'est le côté que j'aime pas, même s'il est moins prononcé avec ses papiers craft. Donc je vais prendre ma pochette, ma page, je prends mes pochettes, je vérifie
que ça passe bien. Là, ça va. Je regarde jusqu'où va arriver la deuxième. À peu près. Je vais y arriver. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Hop, hop. Vous voyez le truc? Donc voilà. Donc là, je me cale à peu près. Et donc, du coup, ben, je vais avoir. On va couper à 6,5 de hauteur pour le papier qu'il y aura au fond. Donc pour ça, il suffit de choisir le papier. Ce n'est pas gagné. Parce que c'est super dur à choisir. Ça va être trop dur. Je vais essayer dans les chutes déjà. Donc là déjà, voilà. Ça c'est la chute de la... De la botte, pardon. Donc, je viens couper à ras. Ce sera plus net. Voilà, hop. Et donc là, je vais mesurer. Alors, j'ai dit 6,5. Donc, à 6,5. Je vais regarder le sens. Déjà, je vais couper à 15,5, puisque ma page fait 16 cm, du coup moi j'enlève 0,5, donc je coupe à 15,5. Ça, je ne le jette pas. Et du coup, je vais venir couper à 6,5 pour la première. Voilà. Et ensuite, pour celle-là, je l'ai à 5,5, ce qui correspondra à l'autre pochette. Du coup, je vais voir. Ça va faire ça. Ça. Alors, ou dans ces cas-là, vous faites le suivi du dessin. C'est-à-dire que vous mettez à la suite. D'accord. Et en bas, vous mettez un autre papier. Ou vous intercalez les papiers. Voilà. Moi, j'ai opté pour celui-là. Bien sûr, il ne va pas aller. Du coup, le papier va devoir mesurer 5 cm. Pas 5,5. Donc 5 cm. Là, on va venir coller. Alors là, je vais me servir du double face, mais vous faites avec la colle si vous préférez la colle. Toujours pareil. C'est comme on aime. Moi, je vais opter pour les mettre à la suite parce que j'aime beaucoup les dessins quand ils se suivent. Mais on pourrait aussi se servir de l'autre côté. C'est possible aussi. Mais moi, j'aime beaucoup le celui-là. On va faire comme ça. On va couper comme ça parce que ça va pas le faire comme ça. Hop. Moi, je vais prendre l'option d'abîmer le papier.
Donc, je gratte avec les ciseaux, tout simplement. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien. Pareil, nous avons aussi sur Keepers l'outil pour abîmer le papier, là, comme ça. C'est la petite roulette. Et c'est vraiment pas cher. J'ai vu ça l'autre jour. Et pareil, on va venir ancrer. On vieillit bien. Ensuite, je reprends ma page et là, je vais venir coller ma première partie du papier. Donc là, vous voyez, c'est bien abîmé. Et là, on va venir coller. Si j'arrive à l'enlever. J'ai coupé les ongles, du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal à attraper les... J'ai coupé trop court. Et donc là, je viens me caler à peu près au milieu. Et on colle. Donc voilà, je vais venir maintenant coller mes pochettes. Par contre, je vais coller celle-là ici avant de coller sur mes pochettes, puisqu'après ce sera un peu plus galère pour descendre. Donc, mais ça, c'est pareil, c'est chacun qui fait comme il le sent. Si vous voulez coller avant, enfin, ça. Donc voilà, là c'est collé, donc ça va venir comme ça en fait, ça va se suivre. Et bon, celle-là c'est pas grave, on peut le coller après à la fin, et ça j'attendrai les chutes de papier. Pas d'inquiétude, c'est l'aspirateur. Ouais, ça fait bizarre. Donc là, je coupe en biais. Voilà. Sinon, ça rentrera pas bien. Et là, je vais venir coller ma pochette, donc du bas en premier. Je vais pas y arriver. Donc je colle. Et là, je viens me mettre au bord, tout simplement. Et on vient coller. Je vérifie que ça dépasse pas. Donc voilà. Et là, on a la première pochette. Et la deuxième pochette, ben, pareil, on va juste venir la glisser dans la première qu'on vient de faire. Et ça va nous donner nos pages. Excusez-moi, il y a Mimi qui joue avec l'aspirateur. Elle dit, c'est quoi ça? Et donc, on vient juste glisser. On se met droit. Pareil. Hop. Hop. Et on colle.
tout simplement. Ce qui fait que du coup, on a une petite pochette et une pochette qui va jusqu'en bas. Mais ça, vous connaissez, je l'ai déjà fait et je trouve que ça, c'est très, très simple à faire, très joli. Et en plus, du coup, on peut mettre plus, plus de photos puisqu'on peut les glisser. Voilà. Pour celle-là, j'attendrai après avec les chutes. Donc, on va passer au dos. Pour le dos, donc pour cette page, tout simplement, j'ai envie d'utiliser ces chutes-là de papier. Donc, elles font du 16 cm sur 5 cm de large pour juste faire un passant qui viendrait ici et qu'on pourrait glisser d'autres photos dessous. Voilà, tout simplement. Donc, alors, il n'y a pas plus simple, hein, pour le coup. Je prends la chute de papier, toujours du côté le plus clair, hein, que je n'aime pas et qu'on va cacher. Du coup, je mets le double face. Ou si vous le faites à la colle, vous mettez un filet de colle, là, tout simplement. L'occasion pour moi aussi de tester ma nouvelle plaque. Et pour le moment, ben, j'adore. J'adore, elle est la matière, ça change des plaques dures. Ben, la verte que j'avais là, la grande que celle-là, c'est pour la remplacer, elle était assez dure aussi. Et celles d'action aussi qui sont dures, et du coup, c'est pas du tout la même matière. Et je le trouve très agréable. Ça faisait longtemps que je voulais la changer. Je l'ai regardé à Cultura et tout, mais celle qui était abordable, mais assez chère quand même, elles étaient petites. Moi, j'en voulais une grande, et les grandes, elles étaient forcément trop chères. Donc, voilà. Donc, on fait toujours attention au sens de la page, puisque là, voilà, la reliure, là, pour le coup, elle est à droite, voilà, et l'ouverture est en haut, pour la pochette plus tard. Donc, là, ça me va. Je vais juste couper un peu là. Voilà. On va couper un millimètre quand même. Non, vraiment, un millimètre. C'est juste pour pas que ça dépasse. Donc voilà. On va choisir le papier de fond. Alors, le papier de fond, du coup, il faudra qu'il fasse 15,5 sur 15,5, puisque la base de ma page fait 7 sur 16. Je vais y arriver. Du coup, là, je vais prendre celui-là. Donc, je vais couper à 16,5 sur 16,5. Donc, hop. Là, je coupe une bande directement. Comme ça, celle-là pourra me servir pour d'autres trucs, mais j'aurai la longueur. D'accord. Donc, 15,5. Mais je me suis trompée là en plus. C'est 15,5, j'ai dit. Voilà, hop. Sur 15,5. Donc, du coup, il me restera cette partie que je mets de côté, que je ne jette pas surtout. Et là, on va venir vérifier que tout est bon. Et on va venir mettre celle-là ici. Tout simplement. D'abord, on va coller celle-là. Donc, on met le double face. On peut très bien prendre aussi ce côté qui est juste magnifique. Je sais, ces papiers, c'est une tuerie. Vraiment. Tous les côtés sont beaux, il n'y a que sur celle-là, voilà, qui est bof bof, mais ce côté-là passe très très bien. Ces papiers sont vraiment, ouais, moi j'adore, je trouve que c'est très très joli, ils sont bien assortis et on peut vraiment les exploiter à fond, je trouve. Bon, après ça c'est mon avis perso.
comme d'habitude, on a chacun nos goûts. Et... voilà. Là, il me manque un tout petit peu. Donc, je vais mettre le petit double face. Vous pouvez mettre un filet de colle aussi. En plus, là, je suis partie en travers. Donc, ça, hop, je le coupe. Pas y arriver. Il y a des jours comme ça. Oui. Non. Oui. Je coupe. Je viens abîmer mon papier, hein, comme pour suivre le style qu'on a donné dès le départ. Donc ça, pareil, l'outil, j'aurais très bien pu le mettre dans le kit, mais je me dis qu'il y en a qui ne le veulent pas forcément. Il y en a qui l'ont peut-être. Et voilà. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le kit. Mais à savoir que vous pouvez vous le procurer et c'est pas cher, c'est moins de 3 euros le... Vous pouvez faire des tamponnages si vous le souhaitez dessus. Moi là je ne vais pas en faire parce qu'on va travailler la languette avec des tamponnages justement. Donc moi c'est pour ça que là j'en mets pas. Mais bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre. Donc moi j'en ai toujours qu'une bande et après, une fois que je suis à peu près droite, oui je dis à peu près parce qu'en fait la perfection ne fait pas partie des loisirs créatifs puisque c'est du fait mais ce n'est pas de l'industriel. Donc forcément, il y a toujours quelque chose qui fait que ce n'est pas parfait. C'est pour ça que je le précise du coup. Donc... les filles qui font pas les choses parfaitement, ne vous inquiétez pas, c'est normal parce que de toute façon, rien n'est jamais parfait en loisir créatif. Le féminin, c'est bien connu. Donc voilà. Maintenant, on va venir s'occuper de celui-là. Bien entendu, on va venir le ancrer de partout. Je vais prendre ma planche de tampon. Bien entendu, on peut combiner d'autres tampons que l'on a avec cela, style texte et tout ça. Moi, je vais travailler qu'avec cette planche puisque c'est celle qui fait partie, que j'ai choisie pour vous, pour le kit. Mais bien entendu, vous faites ce que vous voulez. Donc ça... je voulais aussi, mais je vais lire. Je vous ai aussi mis dans le kit, excusez-moi, de la poudre à embosser. Donc c'est la vintage green, voilà. Donc c'est des poudres à embosser à chaud. Spécial pour tout ce qui est mix média, il y a deux couleurs mélangées et moi j'adore, c'est pour ça que je vous l'ai mis. En plus elle est vraiment pas chère, c'est pour ça que moi je vous l'ai mis dans le kit. Donc par contre je vais pas avoir de feuilles de brouillon sous la main, on va faire avec ça. Donc ça, je vais brancher, chercher mon headgun.
Donc alors là, j'ai pris une feuille de brouillon. Voilà, je vais prendre mon encre. Je vais venir tamponner bien partout. Alors idéalement, c'est pas celle-là qu'il faut encre pour faire ça, mais j'allais pas en rajouter une encre de plus. Hein, donc je ne sais pas si ça va marcher comme il faut. Donc moi je vais mettre mon tampon. J'appuie bien. Normalement pareil, il faut une plaque, mais je ne l'ai pas sous la main. Donc voilà, hop. Et là, je viens mettre de suite ma poudre à embosser. Voilà. Hop. Je vais mettre de côté. Et je vais venir embosser à chaud. Donc je chauffe dessous aussi pour essayer de pas de trop déformer le papier. Et là, je ne sais pas si vous voyez, ça commence à fondre un peu. Je suis en train de me brûler, mais c'est pas grave. Par contre, évitez de le faire sur la chaleur sur la plaque, parce que ça les abîme beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez du coup. Voilà. Là. Et là, j'avais envie de faire celui-là. Mais là, je vais le faire en deux fois puisque il est trop long. Du coup, je vais venir juste mettre de l'encre sur le steampunk. Je viens l'appliquer et après le angel que je vais venir coller dessous. Hop. Donc voilà. Pareil, on fait comme on le sent, on n'est pas obligé. Vous pouvez faire juste des tamponnages comme ça. Vous pouvez ne pas mettre cela. Après, moi je fais par rapport à ce que j'aime. Toujours pareil. Bien sûr, on le referme avant de le renverser, parce que ça, c'est ma spécialité. Et pareil, on vient embosser. Donc, pareil, peut-être mettre le double face après, derrière. Voilà, maintenant ben, il n'y a plus qu'à venir coller. Alors là, je viens de me rendre compte que je me suis trompée de côté. D'accord, en fait là c'est l'autre page, mais ça c'est pas grave puisque de toute façon on va faire un peu les mêmes. Le tout c'est de pas se tromper de sens surtout. Alors attendez, je vous dis ça, mais oui, c'est ça. J'ai peur. Donc voilà, on n'a plus qu'à venir le coller. Avant, moi, je vais juste venir assombrir un peu avec mon encre pour donner un style un peu plus vintage. Mais bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Je ne sais pas si vous le voyez bien, l'embossage. Moi, j'adore. Sachant que on peut le faire plus épais et tout après. Voilà, c'est vraiment comme on a envie. Donc là, hop.
je vais enlever le bas, que le bas. Je vais me placer à peu près au milieu. On dira à peu près. Là, pareil, si vous voulez, vous pouvez réellement le mesurer et tout. Bon, moi, j'en suis pas là. Donc voilà, et là, notre passant, ben, il est prêt. Et là, on pourra mettre plusieurs photos. On fera les tags après. Je ne sais pas si je les ferai avec vous, mais bon, voilà, faire des tags. Donc voilà. Du coup, je vais reprendre mon autre page et on va faire le derrière. Bon, du coup, vu que ça fait un certain temps, je vais télécharger la première partie et on va se retrouver pour la deuxième partie, puisque forcément, ça va être un pas à pas. Sauf si je refais les mêmes pages qu'on vient de faire, je le ferai hors caméra, bien sûr, mais sinon, vu que le principe va être le même, de toute façon, ce qui est, je vais faire pareil, je vais le faire hors caméra, et puis ben, nous, on se retrouve pour la deuxième partie. Voilà, ben, j'espère que ce kit vous plaît. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.